Dortmund-PSG, c'est bien évidemment le match le plus important à ce stade de la saison pour les Parisiens. Faux pas interdit puisque le PSG joue sa qualification sur cette dernière journée de Ligue des Champions. Dans cette vidéo, je vous analyse les enjeux et je vous donne mes pronos pour ce choc. C'est tout de suite! Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous activer la petite cloche sur Rue des Joueurs et vous ne raterez plus rien de toutes nos vidéos de pronostic foot. Toutes les vidéos vont sortir dans les 2 jours qui viennent, les cartes complètes de mardi et mercredi, le grand format sur la rencontre entre Lens et Séville, tout sera sur la chaîne, donc on vous attend. Pour ce match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, je vous propose de parier sur Unibet puisque l'opérateur offre en ce moment 10 euros sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous rentrez le code promo RDJ Gold, vous l'avez à gauche de votre écran et vous pourrez profiter de ces 10 euros qui, bien évidemment, sont cumulables avec le bonus classique d'Unibet, premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant. On en reparle à la fin de cette émission avec mon petit ticket sur cette rencontre entre Dortmund et le PSG. En attendant, c'est parti pour l'analyse. Alors, vendredi dernier, je vous ai fait une petite vidéo pour faire le point sur les enjeux. Je vous les rappelle très rapidement. Dans ce groupe, Dortmund est d'ores et déjà qualifié avec 10 points. Le PSG en a 7 et Newcastle et le Milan AC qui s'affrontent dans l'autre match en ont 5. Donc, 5 scénarios possibles. Le premier, si Paris l'emporte en Allemagne, ils seront qualifiés et premiers du groupe. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que Paris a bel et bien son destin dans les pieds. Deuxième scénario, Paris sera qualifié en deuxième position en cas de match nul si Newcastle ne gagne pas contre Milan. Troisième scénario, ils peuvent aussi être deuxième avec une défaite si on a un match nul entre Newcastle et le Milan AC dans l'autre match. Quatrième scénario, les plus mauvais pour le football français. Paris se retrouve en Ligue Europa s'ils font match nul et que Newcastle s'impose contre Milan, ou avec le cinquième scénario, s'ils perdent contre Dortmund et que quelqu'un gagne entre Newcastle et le Milan AC. C'est alors cette équipe qui sera qualifiée. Alors, venons-en maintenant aux forces en présence. Cette équipe du Borussia Dortmund, toujours très compliquée à prendre chez eux. En Ligue des Champions, on a un match nul 0-0 contre le Milan AC et une victoire un peu surprise contre Newcastle 2-0. Toujours aucun but encaissé à domicile dans la compétition. Donc on voit que dans les chiffres, on est au final assez loin de ces matchs un peu foufous qu'on peut imaginer au premier abord. En Bundesliga, 8 matchs sur leur pelouse, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les défaites, c'était contre le Bayern, mais aussi ce week-end, 3 buts à 2 contre Leipzig. Et c'est justement ce match qui va beaucoup nous intéresser. On va en reparler tout de suite. Dernière petite chose avant d'y venir, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que Dortmund n'a plus gagné depuis la dernière journée de Ligue des Champions et la victoire 3 buts à 1 du côté du Milan. Depuis, on a eu 3 matchs, un match nul à Leverkusen, un partout. Une défaite 2-0 en Coupe d'Allemagne contre Stuttgart et donc une défaite ce week-end contre Leipzig, 3 buts à 2. Donc je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu dans le détail ce qui s'est passé dans ce match-là. Dès la 20e minute de jeu, on a un rouge sur Mats Hummels, sur une percée dans l'axe d'Openda, Mats Hummels qui arrive par derrière et qui tacle. Et à partir de là, forcément, le match devient compliqué pour Dortmund. Et vous voyez où je veux en venir. Mats Hummels, Niklas Süle, qui est entré à sa place et qui va sans doute jouer à gauche contre Paris, puisque Thomas Meunier ne fait pas partie de la liste pour la Ligue des Champions de Dortmund. Schlotterbeck, on est sur une défense assez lente, qui souffre face à la vitesse, et on l'a vu face à Openda et au jeu très vertical de Leipzig. Je vous invite à jeter un coup d'œil au résumé de la rencontre et au but de Leipzig.
Or, en face, avec Mbappé, Barcola qui a marqué pas mal de points contre Nantes avec son but en débloquant son compteur, le retour de Zaïre Emery pour accélérer le jeu, le PSG a pas mal d'éléments qui se distinguent vraiment par leur vitesse. Alors c'est vraiment dommage que Dembélé soit suspendu pour jouer face à son ancien club. Je pense que le but de l'ex aurait encore une fois pu être une bonne idée, mais bon, il sera suspendu. Tout ça pour dire que comme je l'ai peut-être déjà répété plusieurs fois, je pense que Dortmund est un bon match-up pour le Paris Saint-Germain. En Paris Saint-Germain qui vient de remporter sa 8e victoire consécutive en Ligue 1, je les vois s'imposer en Allemagne et assurer la première place. C'est une cote à 1,83. Alors, méfiance quand même, ce pari c'est pas du tout cuit. On va quand même rappeler quelques petits éléments de méfiance. Paris a perdu ses deux matchs à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison, 4 buts à 1 à Newcastle et 2 buts à 1 à Milan. Il n'y a que deux matchs cette saison où le Borussia n'a pas marqué à domicile. Cette défaite contre le Bayern, 4-0 en Bundesliga et le 0-0 contre Milan. Et surtout, quoi qu'il arrive, Dortmund reste dangereux. On l'a vu à 10 contre Leipzig, ils ont quand même marqué deux fois. Ils sont dangereux sur coup de pied arrêté. On sait que ce n'est pas forcément le point fort de Paris. Ils prennent encore un but sur corner contre Nantes avec une tête de Mostafa Mohamed. Et Dortmund, pour le coup, il n'y a peut-être pas beaucoup de vitesse, mais il y a de la taille. Ils ont marqué contre Leipzig sur corner également par Füllkrug. Donc petite méfiance de ce côté-là. Autre point, le mental. On sait que dans les matchs avec des enjeux importants, si ça tourne pas forcément bien, cette équipe de Paris, elle peut péter les plombs. C'est quelque chose qui est récurrent. Donc on ne sait pas comment le match peut tourner. Il peut y avoir un carton rouge, il peut y avoir un péno, il peut y avoir des grosses vagues face au mur jaune. Et là, Paris qui prend une marée. Hein. On a des souvenirs il y a 2 ans du match contre le Real. Ils prennent 3 buts en 15 minutes. Bref. Si Dortmund marque le premier but, la soirée peut devenir très difficile. Néanmoins, je vais quand même aller sur cette victoire du PSG à 1,83. Mes deux autres paris rapidement, donc j'ai déjà donné les éléments pour les comprendre. Je vois les deux équipes marquées, c'est coté à 1,48. Je vous l'ai dit, Dortmund marque quasiment toujours sur sa pelouse. Et le dernier pari, la petite combinaison des deux paris et les deux équipes qui marquent, c'est la grosse cote de Détroit à 3,18. Pour mon ticket, j'ai gardé la victoire du Paris Saint-Germain cotée à 1,83. Donc si vous mettez vos 100 euros du bonus Unibet dessus, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 183 euros. Et si le pari ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo Ligue des Champions Dortmund PSG vous a plu? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Comme toujours, on rappelle que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, veillez à garder une pratique récréative. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos carte complète de mardi qui arrive cet après-midi. Salut à tous les amis!